La Côte d'Ivoire peut exporter vers les États-Unis environ 6000 produits sans droit de douane et sans quota. C'est l'une des conséquences de son éligibilité à l'AGOA depuis le 25 octobre 2011. C'est de cela qu'est venue discuter cette délégation du département du commerce américain en Afrique avec le Premier ministre. Une délégation conduite par l'ambassadeur des États-Unis avec à sa tête la représentante Afrique de ce département. L'économie américaine, c'est environ de 14 000 milliards de dollars. Ça, c'est le plus grand du monde. Maintenant, comme membre de AGOA, la Côte d'Ivoire a la capacité et la potentialité d'entrer dans ce grand marché pour ses exports. Cet accord commercial permet aux États africains de bénéficier de préférences sur le marché américain. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire à l'AGOA lui a aussi ouvert les portes du MCC, le Millennium Challenge Corporation, qui permettra au pays de bénéficier d'environ 500 milliards de francs CFA.